Vendredi 14 septembre 2018, salutations spéciales à tous les amis qui branchent TNH. Bienvenue dans le journal Mi-temps Journée. Nous recevons tout de suite collaborateur nous, Wilner Polidor, pour conditions temps. Bonsoir Wilner. Merci pour fidélité avec attention. Nous, avec aujourd'hui encore pour prévision météorologique, là, alors comment la situation est sous le pays d'Haïti. Pour aujourd'hui, nous avons une masse d'air qui est plus ou moins stable sous le pays d'Haïti. Mais par rapport avec le réchauffement pendant la journée, j'en ai la masse d'air un peu sec sous le pays d'Haïti. Mais le réchauffement journée qui a mêlé avec un brise de mer qui a entré sous nous au cours de fin d'après-midi, a supposé provoquer quelques averses avis sur plusieurs régions. Pays a surtout massif du nord et aussi chaîne des mateux n'a pas gagné mon lacelle avec massif de la haute en fin d'après-midi et en soirée. La vie ça aussi vraiment quelques averses isolées qui capable faible à modérer sur certains départements Jean Noël là. Mais à partir de demain, fréquence activité la pluie aura augmenté sous pays par rapport avec dépression tropicale Isaac qui transformé en dépression tropicale et la privé vers le sud pays d'Haïti et la prolongé par un creux en surface. Cela veut dire que pour demain samedi et dimanche, n'a pas en pile la pluie sous pays, des averses localement orageuses, modérées à forte sous plusieurs départements ou bien sûr la majorité des départements. Et c'est pour ça que nous gagnons avis d'inondation sur plusieurs zones dans le pays. Et Jean-Noël là, protection civile de conseil avec secrétariat permanent Cap Géris avec désastre. Et puis UHM mandé avec tout le monde qui était dans la zone qui a inondé, pour mettre en vigueur consigne de sécurité. Si toutefois, ta gen gwo la pli avec gwo kout l'orage et vent kap vante sou peyi a par rapport à demain samedi a et dimanche par rapport avec gwo la pli que nous prévoit sou peyi d'Haïti. Pour capitale avec zone qui environ l'eau, son capitale qui aussi abjoui de un temps qui plus ou moins instable sous capitale avec zone qui environ l'eau, mais toujours été gain possibilité pour quelques averses la pluie en fin d'après-midi et en soirée par rapport avec effet dune et effet locoyo. Et cela veut dire que gain possibilité pour en fin d'après-midi et en soirée gain quelques averses qui capable avec quelques coups de l'orage sous capitale avec quelques zones qui environ l'eau. Je vous dis à température a monté jusqu'à 35 degrés Celsius, ça fait très chaud. Sous le pays d'Haïti et puis par la descente c'est 24 degrés Celsius encore sous capitale là pour demain samedi et aussi dimanche fréquence tapis a augmenté et gain susceptibilité pour que gagne inondation sous département de l'Ouest sous capitale avec zone qui a environné c'est ça qui demande précaution avec prudence par rapport avec situation instabilité qui a commencé dès demain et dimanche au cours de soirée. Pour la mer, pour jeudi à son mer qui agité sous côte nord pays d'Haïti et Jean-Noël là mais Golfe de la Grenade avec région sud de la mer Ali pral agité surtout avec par rapport avec dépression tropicale là qui a Isaac a privé sous côte sud là même s'il pas en menace au pays d'Haïti mais la mer l'a agité à faute sous côte sud pays d'Haïti. C'est peut-être ça, nous demandons des capitaines, précaution avec prudence sous côte sud pays d'Haïti. Et pour pas jaser le micro, cela a couché jeudi à 6h52 et la pleuvé demain matin à 6h37. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé lundi pour notre page météo. Bon week-end à chacun de vous. Merci Wilner et bon week-end à vous-même tout. Dans l'actualité, à vice-président Sénat Pierre-François Sildor, qui c'est tout membre commission spéciale qui a analysé le dossier Premier ministre Jean Rousseyan, a créé ce membre cabinet ministériel là, fait qu'on est des sous-commissions qui a analysé pièce membre cabinet ministériel là, déjà remettre rapport yo, by commission. Commission a kounya a travaillé sous rédaction rapport à qu'après avant séance ratification. Sénateur Sildor dit tendance là dans Sénat paraît favorable pour Jean Rousseyan, Tavin occupé place Premier ministre. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro, Fédnir Confident. Quant à un rapport de commission, c'est une commission spéciale qui est formée pour analyser pièce et Premier ministre et les ministres. Donc, la commission a été divisée en deux sous-commissions, comme nous le connaissons déjà. Une sous-commission qui travaille sous DGI avec les archives nationales. Une deuxième sous-commission qui travaille sur l'immigration avec le consulat des comptes. Deux commissions sous-commissions, ça remet rapport. Yo. Et nous avons un premier jet rapport consolidé avec déjà fait rapport de sous-commission que nous pourrons présenter à la présidente de la commission et qui pourra lire demain en assemblée pendant énoncé politique générale.
nous avons dit que nous-mêmes, au niveau de la commission spéciale, rapport la grande après, pour demain, pour inviter le Premier ministre pour une politique générale. Voilà. Donc, tout bagaille fait prêt et pas gagné rien. Il va faire ratification ça. Lui-même, il va faire demain séance. Bon, c'est-à-dire que tout humainement possible, bon côté par nous, sous rapport commission à la fête, et sénateur invité, si pas grand moyen qui est trop grave, c'est ça le fait normalement pour énoncer des déclarations politiques générales pour le ministre. Et ça, il y a un thème de recommandation dans la commission, sénateur. Oh, bah, pas qu'à dire là-dedans, malheureusement. Est-ce que toute pièce finition correcte? Pas qu'à dire là-dedans, parce que ça, c'est un rapport commission. Lui. Et ce rapport commission, il ne faut pas président. C'est le président qui parle dans l'Assemblée, même avant ça, on n'a fait aucune déclaration, c'est le président de l'Assemblée qui a fait. Moi-même, par contre, tout le bail là. Jusqu'à hier, si on a plusieurs mondes, est-ce que nous, c'est rapport pour vous, est-ce que dans la séance, on a bien d'autres choses? Non, le rapport consolidé. Non, si, la commission spéciale travaille pour l'Assemblée, nous avons même fini, nous allons remettre président, sénat, honorable Joseph, on met rapport là. Et pendant l'Assemblée, il a distribué tout le sénateur pour reconnaissance de lui-même. Tendance à aller vers ratification au ministre. Député Esaïe Prophète informé Chambre députée a pris toute disposition pour réaliser séance ratification politique générale Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan. Député Katia Morin souhaité Premier ministre nommé respecter toutes conditions constitutionnelles pour le vin Premier ministre. Nous invitons à suivre. Pas de ministre qui a un problème de décharge. Pas de ministre qui a un problème de double nationalité. Depuis pièce, toute ministre correcte. Voté. Alors même si on va reconduire moun que nous avons demandé et ça n'a demandé même comme parce que en tant que parlementaire ça m'a revendiqué là il secondaire. Responsabilité que me prend l'aime t'a voté l'aime t'a prêté ça même t'a venir député m'te prend responsabilité capable respecter la loi la constitution. Si un gouvernement vient devant depuis respecter tout principe que la loi la constitution mandé pour le respecter, m'obliger à voter, je ne peux pas faire dilatoire. Je ne peux pas croire que ma majorité des députés ait un problème avec le personnage Jean-Henri Seyan. Honnêtement et sincèrement, je pense que j'ai une chance pour le passer dans la chambre députée sans problème. Simplement, la besoin de mettre tout papier que la constitution a mandé pour que les gens aient pour venir ministre. La besoin de préparer papier ça. Tant qu'on dit, depuis tout document ministre Jean-Henri Seyan ou prêt, la passer. Parce que moi, je fais partie de députés qui ont supporté la majorité. Dans le remaniement ministériel qui était fait là, il y a des ministres qui étaient tournés, qui n'ont pas gagné des charges. Même la façon de fait là, il n'ont pas respecté tout principe. Mais la cour. T'es préparé au rapport, il t'a dit ministre, t'es supposé gagner des charges. Très bien, très bien. En tant que député qui a supporté la majorité, pour moi-même, c'est un gros calotte que je me prends. Parce que je ne viens pas là pour me supporter en majorité en violant la loi, en violant la constitution. Je dis ça à tout le monde. Mais tu as supporté le président Jovenel Moïse, depuis la fond de l'équipe, je me dis, je vais avoir. Parce que le premier engagement, ce n'est pas pour supporter la majorité, pour supporter le président Jovenel Moïse, c'est pour faire sûr que le principe constitutionnel est respecté. Si M. Henri Seyan vient avec un ministre qui ne répond pas à critères constitutionnels, on ne peut pas voter. Très bien. Ça veut dire, alors, avant que vous venez avec le cabinet ministériel, faites sûr que vous prenez le temps. Vous prenez le temps, vous faites le devoir de maison, parce que pas de député qui fait partie de la majorité, qu'après il vient violer la constitution pour être capable de voter un gouvernement. Ça nous clair là. Aris Desrosiers AD, c'est une entreprise qui utilise des déchets plastiques pour fabriquer plusieurs qualités produits. Entreprise, ça permet plusieurs dizaines de jeunes dans la commune Kafou travail et puis aider à améliorer l'environnement dans la commune. Nous invitons à suivre. C'est dans le mois avril 2016, James Desrosiers et associé Obed Harris mettait campé entreprise Harris Desrosiers dans la commune Kafou
côté où utiliser déchets plastiques tant que sachets de l'eau dans fabrication diverses qualités produits tant que valise l'école, boîte à lunch, valise voyage pour ne citer ça ou seulement. Décision ça ou prend dans objectif pour diminuer fatra dans environnement. Nombre de déchets plastiques qui étaient là avant que nous venions les réduit considérablement parce que dans zone là yo connaît que il y a une entreprise qui utilisait déchets ça. Entreprise ça a fonctionné avec un total 20 machines parmi 18 qui marchaient à courant et puis 2 à pédale. Matériel ça yo facilité yo fait traitement des déchets yo et puis confectionner produits. Puis le traitement qui fait là c'est avec la chaleur. Donc bon machine même que nous utilisons pour nous compresser yo. Donc c'est plusieurs sachets même j'en carrel pas bon terre l'image. C'est plusieurs sachets qui viennent bailler factualise l'argent en lien parce que sachez à vous les petits et les fins donc les nous mettre plusieurs ensemble nous viendrons beaucoup plus ductibles et également après phase traitement gain phase confection côté que nous gain des professionnels qui utilisent des patrons donc même gens et quoi Louis Vuitton avec Dolce Gabbana qui utilisent des patrons donc, nous utilisons des patrons qu'on y a là pour nous taille valise et puis nous baille moun sa yo dedans là kodyo. Il y a environ 50 employés qui travaillent dans différentes sections dans entreprise. Aris Desosiers gen capacité pour produire environ 300 valises chaque jour. D'après youn nan responsable entreprise ça gen plusieurs organisations tant que Food for the Poor et Ebenezer qui souvent acheter produits Aris Desosiers yo. Produit sa yo vend ici tan kou lòl bò d'lò. Maintenant, il y a assez extraordinaire le pourquoi. Il y a quoi un an de cela, non pas de gain en pays client, mais pour nous, là, c'est nous-mêmes qui avons refusé commande parce que, bon, son problème lié pour nous tous, parce que nous pas qu'à produire assez de sa yo mande nou, mais quand même, c'est quand même en satisfaction. Donc, ça a ben non, et a dit, engouement poussé pour nous aller pour plus devant pour nous augmenter la capacité de production. Dans l'idée pour augmenter la capacité et puis répondre à la demande clientèle dans le cap grandit chaque jour, responsable entreprise ça a un projet logé dans un plus gros espace, utiliser plus de machines et puis renforcer la quantité d'employés liés. Président directeur général JL Fine Chosela, ingénieur Jean-Lucien Ligonde, distribué souliers par élèves l'école Saint-Mario jeudi 13 septembre. Là. Responsable l'école l'a montré, yo apprécié geste là. Nous invitons à suivre. C'est plusieurs dizaines de monde qui bénéficient souliers dans le PDG JL Fine Chosela, ingénieur Jean-Lucien Ligonde, dans l'occasion de rentrer l'école là. PDG JL Fine Chosela fait connaître, j'ai ça inscrit dans le cadre d'objectif yo fixé tête yo qui s'est partagé connaissance ou sans gagner ak sans qu'on fait. Offrir souliers ça yo qui fait dans pays a bay timon yo, c'est montrer pays a gain capacité pour faire l'autre bagaille ak faire promotion production locale là. Porter des souliers fait en Haïti pour timon ça yo, li gen une valeur importante pour moi, qui valeur que li gen. C'est que li permet que nous capable offrir timon ça yo un produit local. Un. Deuxièmement, bah, en fierté en tant qu'haïtien, le chaussée national. Pour moi, Sainte-Marie, c'est un côté qui respire, mon Dieu, et pour moi, c'est un côté vraiment que me doué. En tant que communauté, hein, nous tous nous doué partager. Le nous partager une à l'autre, et même certain que pays ça, la privé côté le venir. Coordonnatrice l'école Sainte-Marie, Nelta Vaval, remercie ingénieur Jean-Lucien Ligonde pour geste ça, li fait en faveur Timonio. Pour lui, ça a aidé maman et papa petit qui étaient en difficulté pour acheter un paire soulier neuf pour petit yo dans cadre ouverti classe yo. C'est un geste responsable l'école yo bay en pile importance. Geste ça l'heure off ça a été fait, nous t'es sauté nous t'es sauté sur occasion ça et nous t'es content pour nous t'es qu'à chercher ça qui plus la nécessité un peu t'es qu'à joindre. Donc vraiment c'est avec un cœur chaleureux qu'a dit que moi accueilli geste ça et moi dit Jean-Lucien vraiment merci qui t'es qu'à bail 90 et le dépasser 90 là parce que ça pas joindre il chercher faire joindre. L'école Sainte-Marie c'est une institution qui spécialise dans bail en cadrement à ti moun ki pa gen moyen pour payer l'école yo. Après prêcher l'évangile, yo bay soin santé dans toute communauté ya. Dans sens sa, coordonnatrice l'école la renouvelé volonté pour continuer chercher support pour toujours aider si la yo ki nan besoin.
Internet Society organise première édition forum national sur gouvernance internet jeudi 13 septembre 2018 là dans hôtel Montana. Une activité qui déroulait en baptême connecter les déconnectés pour construire l'avenir du numérique en Haïti. Nous invitons suivre un reportage avec Stéphanie Charles et puis Hervé Pierre. Connecter les déconnectés pour construire l'avenir du numérique en Haïti. C'est un baptême ça, première édition Forum National Internet l'a lancé jeudi 13 septembre. Faire promotion pour Internet et puis faciliter un groupe monde qui pas connecté vienne connecter, c'est principal objectif organisation Internet Society d'après président chapitre dans pays d'Haïti à Obed Sendi. Haïti gagne en section et bien c'est lui-même qui fait événement ça pour capable promouvoir et l'internet et comment on capable et permettre que un série de monde qui pas connecté connecté parce que avant pour gagner projet, il faut qu'on ait des débats, il faut qu'on ait des réunions pour projet au café. Ça nous besoin tout le monde impliqué. Nous pas besoin on série de conférences qui viennent d'y imposer, mais nous besoin en participation et multipartite, en participation côté n'importe quelle société civile là qui a dit mais qui ça a pensé, réaction du gouvernement internet comment on peut ensemble pour nous résoudre une série de problèmes pour être une série de villages qui pas gain internet, joindre internet pour bien être. Responsable là continuer pour le faire qu'on est à gagner séance formation pour madame Sarayo dans l'idée pour montrer yo comment yo ka acheter en ligne ça qui d'après lui c'est une campagne éducation internet. En Haïti c'est dit madame Sarayo nous montrer non seulement ba pour joindre accès à internet et puis nous non seulement ba possibilité pour joindre accès à internet et puis pour montrer qui j'ai ka utiliser pour entrer l'argent ou bien faire économie etc ou bien pour acheter en ligne ça t'a vraiment important pour c'est ça je dis pour community network ou bien et réseau communautaire à Palia. En fait, ils ont fait ça déjà, ils réussi dans un bon pays en Afrique, pour ne pas besoin citer, en Haïti tout, puisque son pays en voie de développement, et bien nous-mêmes tout nous besoin, même si il y a un pile d'autres défis, mais nous-mêmes nous besoin tout. Et réseau communautaire là tout, nous avons tout utilisé avec énergie renouvelable, c'est-à-dire énergie à tout avec tout. Internet Society, c'est une organisation de droit dans le pays d'Haïti, mais qui est en ligne à travers le monde là. Organisation Solidarité Citoyen pour yon Haïti intégré ak nouvel organise yon conférence débat sous thème yon analyse socio-juridique sous procès programme Petro-Caribe dans société haïtienne lan. D'après coordonnateur général Chine lan, Chednerson Saint-Firmé ak avocat Newton Saint-Just qui était conférencier dans activité ça expliqué procès qui ta doit fait sous Petro-Caribe a doit fait sans force côté. Maître Newton Saint-Just fait connait doit gagne yon enquête en profondeur qui fait sous dépenses l'agent Petro-Caribea. Yon extrait dans micro TNH. Nous même nous débat sur terrain académique là sur terrain scientifique comme universitaire ça et nous inviter la presse pour relayer pour aller plus loin. Ça veut dire les on a parlé de Petro-Caribe dans première section communale Bariadel d'Anda Marie faut qu'a dit qui ça Petro-Caribe que le procès de Petro-Caribe doit être un procès équitable. Le mot équitable veut dire que pas de force côté. Faut qu'il fait en toute équité, faut quel que soit monde qui est dans le dossier. Quel est Louis Saint-Just, maman? Louis Saint-Just, papa, Marie-Camel Saint-Just, maman? Quel que soit monde, faut qu'il passe et en bas la justice. Maintenant, si le dossier n'est pas technique, nous perdons déjà. Et nous parlons de perdu. Faut que ce dossier bien monté. Rectorat Université l'État haïtien démarré depuis samedi 1er septembre là à concours admission pour ensemble entité UEH là. Faculté ça a gagné tout mois septembre là pour clôturer processus validation yo et puis organiser concours admission yo. Des canaux divers entité UEH là déjà tamé préparation pour accueillir nouveaux étudiants qui gagne pour intégrer espace université ça. Nous et puis suivre. Faculté odontologie INAGE, agronomie, FLA, c'est ensemble entités qui déjà organisé concours admission yo pour année universitaire 2018-2019 là. Entité sa yo qui prévoit l'ouvrir porte yo dans mois de novembre là, commencer à activité correction examen yo dans l'idée pour postulant capable joindre résultat yo avant date qui fixée pour rentrer ya. Yon ti visite dans différents facultés sa yo montre gen ensemble préparation k'ap fait pour accueillir anciens ak nouveaux étudiants yo. L'autre entité k'ap gen pour organiser concours pa yo nan fin mois de septembre sa, pas suspendre recevoir postulant qui était déjà inscrit en ligne si tout cas spécial yo pour vin valider inscription yo. Yon délai 3 jours avant examen, c'est quantité temps yo gagné pour mettre fin à processus là. Pour faculté médecine et pharmacie, étudiants qui ont pu participer dans le concours admission entité ça qui fixé pour samedi 15 septembre 2018 là, ont pu préparer ensemble matière ça yo. Anatomie,
français, physiologie, biologie et physique. Pour faculté droit et sciences économiques, cap gain pour organiser concours lycée septembre cap vini là, philosophie, culture générale, mathématiques, langue vivante, c'est ensemble matière pour style yo a gain pour préparer. Yera ICS, faculté sciences humaines, faculté des sciences avec l'école normale supérieure, c'est entité ça yo cap gain pour clôturer concours admission en dans date 22, 23, 29 et 30 septembre cap vini là. Après un coup de pause, reste information, c'est pour tout de suite après. Dans la page internationale, là, enterrement ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, chanté jeudi 13 septembre là, après trois journées nationales dans le pays Ghana. Kofi Annan, 80 l'année, était un dernier souffle, 18 d'août passé dans le pays Suisse. Betty Raphaël a présenté plus dans un reportage. Après trois jours des nationales, funérailles Kofi Annan chanté jeudi 13 septembre, ancien secrétaire général Nations Unies en dernier souffle, 18 août passé à 80 l'année, la Kaili en Suisse après une maladie Bridsouko. Dans ces circonstances, plusieurs dirigeants dans le monde ont été déplacés dans la capitale ghanéenne, Accra, pour un dernier hommage à l'ancien secrétaire général Nations Unies, sorti l'année 1997 pour arriver 2006 et puis prix Nobel la paix dans l'année 2001. 6000 moun te rassemblé dans auditorium centre conférence Accra avant de transporter cercueil là dans cimetière militaire capitale ghanéen pour un enterrement en privé. Kofi Annan fête dans Kumasi, deuxième ville pays a, il était consacré 40 l'année dans la ville pour l'ONU, côté il était fait face à divers défis tant qu'au guerre dans pays Afghanistan et dans pays Irak. Après il était fini quitter l'ONU dans l'année 2006, il était continué travailler en tant que diplomate côté il tape mené diverses médiations dans plusieurs conflits. N'a pas observé une autre pause pas déplacé n'a pas tourné. Pourquoi il y a là, amis téléspectateurs, nous parler dans le Sénat République là avec collaborateur nous Ansi Mars pour nous joindre toute dernière précision sur déroulement séance, sur énoncé déclaration politique générale Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Une séance qui prévoit dérouler jeudi vendredi. Comment préparatif y a qui tendance là tout ça y est avec Ansi Mars. OK. Mes téléspectateurs, nous trouvons dans le Sénat de la République là, sous bicentenaire là, côté que Jean Connel là, Jean s'est annoncé, Jean président, Sénat a été annoncé Joseph Lambert, et que jeudi vendredi ça, il est supposé recevoir Premier ministre nommé Jean-Henri Séan pour le capable de présenter à l'Assemblée des sénateurs aux politiques générales. Eh bien, c'est une occasion ça, et l'Assemblée des sénateurs même, il y a bien pour capable ratifier politique générale ça, pour capable de balayer un vote de confiance ou bien pour exprimer si on pas confiant dans l'énoncé politique générale ça. Faut me dire que, faut me rappeler que séance là, son séance, et si vous voulez faire confiance à ça, le Sénat est dit. Son séance qui t'a supposé commencer à partir de 1h30 de l'après-midi, jeudi vendredi ça. Et il t'a doué, il y a qui à l'ordre du jour, c'est énoncé politique générale et Premier ministre nommé Jean-Henri Séan qui t'a supposé venir avec tout membre cabinet, et soit 17 ministres et près de 4 secrétaires d'État qui t'a supposé présent dans l'Assemblée, devant l'Assemblée des sénateurs là. Qui côté que Premier ministre pour la première fois pour prendre la parole devant sénateur et pour capable faire part de l'idée ça gain comme programme comme vision et s'il est arrivé et passer étape ça non et comme Premier ministre s'il est arrivé passer étape ça non Assemblée des sénateurs le temps que lui-même lui capable adjoindre Assemblée des députés et faut dire que et déjà Premier ministre et des fait dépôt pièce lui qui fait dépôt aussi pièce qui gagne rapport avec tout membre qui dans cabinet ministériel là et Assemblée des sénateurs là t'es déjà mis sous pied des commissions ça t'es gain pour travail sous et authenticité véracité gain rapport avec pièce que ce soit Premier ministre Jean-Henri Séan Tibay que ce soit et tout le monde qui fait partie de cabinet ministériel là et si nous voulons faire confiance à vice-président et sénat nous voulons parler de sénateur Sildor déjà tout rapport commission ça que ce soit toute commission qui travaille sous dossier ça déjà et fin prêt et
l'Assemblée des sénateurs a pour capable prendre connaissance de rapport ça bien avant que le Premier ministre est nommé à lui-même, il fait part de énoncé politique générale bien après côté il attend que l'Assemblée des sénateurs là il procède à sa vote ou bien ratification de énoncé politique générale ça jeudi à Jean ça a été annoncé à vendredi 14 septembre 2018 rendez-vous à et tout Dieu fixé, tout Dieu braqué sous et Sénat de la République là côté que Premier ministre Jean-Henri Séréen a bien pour capable de venir et rendre public présenter plus officiellement politique générale. Tortellus Family. Laborateur nous en 6 mars pour toute dernière précision. Dans le sport, on a parlé football sous plan local, sélection haïtienne football, pipiti passé 20 ans. Bon côté, messieurs, yo, retrouvé li nan groupe E avec Bermude, Sainte-Lucie, Costa Rica, après tirage au sort éliminatoire Coupe du Monde U20 qui était faite hier dans le pays États-Unis. À l'étranger, championnat d'Angleterre, Tottenham, Liverpool, c'est prêt à la rencontre choc, 5e journée à Cap fait demain matin à 7h30 dans le stade Wembley. Et c'est sur notre saillot, amis téléspectateurs, nous mettons en bout dans la dernière sortie, journal mi-temps, journée pour semaine ça, nous te prenons pile plaisir pour informer vous. Restez sur la télévision nationale d'Haïti pour reste programmation. Bon week-end, bye bye tout le monde.